Ouais, je parle de mon travail. Alors, passer des photos d'arbres que j'ai fait, que j'ai mis en négatif et qui sont en fait mappées, posées sur des espaces en 3D. Et puis, ça apporte un peu une autre dimension en fait dans l'image ou dans l'aperçu des images. En fait, on quitte un petit peu les arbres et puis, pour être dans quelque chose qui est un peu plus neuronal, quelque chose lié au réseau, ce genre de choses. Mesh. Mesh, c'est un terme en 3D pour faire de la 3D. C'est comme ça, c'est un peu un rappel avec ça. Et puis ça veut dire aussi des branches. Non, c'est pas la branche. C'est un 200, enfin, c'est un 100 en 3D. C'est un terme technique. Ich habe hier eine Papierarbeit gemacht, umfüllend, in 3 Teile. Es ist eingefärbtes Papier, verschiedenes Papier, also verschiedene Stärke von Papier und eingefärbt mit Acryl, matt und glänzig. Das wieder zerknüllt und wieder glatt gestrichen, wieder eingefärbt, nass aufeinander gelegt. Auseinandergezogen und da gibt es ganz viele so Unfälle, Fels, Riss oder weisses Papier, das wieder vorkommt und dann collagiert im Raum.